Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie dans le cadre d'une interview avec un artiste connu ici en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui crée le buzz partout sur la toile et même en matière de chansons. Il s'agit bel et bien de Willy Well qui est là, qui vient de réaliser une nouvelle chanson, comme je le disais tantôt dans mon élan, qui fait tache d'huile et qui dérange plus d'un. Et même les dévanciers du coupé, les calés et même ceux qui viennent d'arriver. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va chercher à savoir d'abord qui est réellement Willy Well à l'état civil. Willy Well à l'état civil, c'est Gueux Déolé Wilfred Aitofel Chrysostome, le fils du ghetto. Et on est né dans quel pays de la Côte d'Ivoire? Le Gualé, c'est Ziré Goulé. Alors, ce qui veut dire qu'on est Yakuba ou Guéré ou bien on est... Je suis Yakuba de père et de mère. La famille Gueux. Alors, la musique et vous, c'est parti comment? La musique, c'est ma passion depuis tout petit. Depuis petit, je vais chanter. J'écoutais beaucoup les morceaux de Tenko, Papa Polo. Et pendant combien d'années déjà, on a été inspiré par Petit Denis? Toute ma vie. Toute votre vie. Alors, avoir attendu toutes ces années et sorti aujourd'hui un single. Je me suis rapproché à certains artistes pour pouvoir parler de mon talent et pouvoir réaliser des choses avec eux. Et certaines personnes m'ont beaucoup trahi. Donc, cette année-là, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Et je suis le chauffeur de mon propre destin. Donc, voilà. Ok, avec la sortie de ce single, et ça a créé beaucoup de buzz autour et puis beaucoup de clash. Alors, c'est parti d'abord de la Ferrari où il y a eu des bagarres entre vous et des gros bras. Et il y a eu des bagarres entre vous et des gros bras. Et alors, expliquez-nous, comment est-ce que l'histoire s'est passée? J'ai pas eu de bagarres avec des gros bras, j'ai eu des bagarres avec Didier Arafat et son clan. Voilà. Dans le morceau, c'est quoi? Le morceau Roukaskas, c'est quoi? Je dis Roukaskas très désordonné. De la manière le Roukaskas est désordonné, c'est comme ça. Les concepteurs du mouvement sont désordonnés. Ils ont fait 15 ans de carrière sans construire cycle au bois. Le morceau a touché certaines personnes qui pensent être la tête du coupé décalé. Donc, c'est comme ça qu'il a réagi. Il y avait ma soirée, la dédicace, la sortie officielle du morceau Roukaskas. C'est dans ça, et ses gros bras ont eu à porter main à mes danseurs. Donc on a fait ça chap-chap. Et chap-chap, on veut savoir. On sait que c'est un langage ivoirien. Chap-chap, on a fait ça chap-chap. Parce que dans la zone 51, ça ne chauffe pas. Ça ne cause pas. En fait, ce pays-là, ça n'appartient pas à une personne. On est les enfants de Félix Souffle pour nous tous. Donc, alors, au-delà de Arafat et ce groupe-là, il y a eu encore d'autres bagarres avec Ariel Chené, un clash. Alors, expliquez-moi. Non, j'ai pas eu de bagarre avec Ariel Chené. Ariel Chené, c'était mon ami. Il n'est plus mon ami. Tu sais, il y a des gens qui se servent des gens pour pouvoir avoir une cote. Parce que moi-même, on est la musique. Je suis quelqu'un. Parce que je me suis fabriqué. Je suis quitté à Logualé, payé de transport pour venir à Abidjan ici. C'est pas même pour m'amuser. Voilà, il s'est servi de moi comme bouclier. Mais comme il s'est aussi l'enfant du ghetto, il a vu de vie. Il est vite vu dans son mouvement, donc il s'est détaché. C'est Simpa qui a fait changer son comportement, mais il ne cause pas lui. Il a dit simplement qu'on s'est retrouvé sur la même scène, c'est d'avoir en parler. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de vous engager dans le monde de la musique ivoirienne et au-delà même de la Côte d'Ivoire. Alors, votre objectif, c'est quoi déjà? Mon objectif, c'est quoi? Moi, je ne chante pas d'abord pour l'argent. C'est un, je ne chante pas pour l'argent. L'argent, c'est pas le métier où on devient, la musique c'est pas le métier où on devient millionnaire, chap-chap, non. Quand tu veux devenir millionnaire ou même milliardaire, c'est le business. Et quand tu vois les grands rappeurs, c'est toi, américains, tout ça, c'est le business qui les donne leur argent. C'est pas la musique en tant que telle, mais moi je suis businessman du moins, je suis le fils du ghetto. Mon objectif c'est pour toucher les consciences, voilà, toucher les consciences, chanter pour la nation ivoirienne et ramener un disque au pays avec un morceau intelligent qui va traverser les frontières. C'est tout. Alors, au sorti de là, après peut-être cette réalisation, on voit le clip déjà qui est une belle réalisation. Moi, j'aime beaucoup les images. Alors, est-ce qu'on a d'autres œuvres à réaliser après cette chanson? Oui, ça, c'est un single qui annonce un album. C'est un single qui annonce un album de 12 titres. Voilà. Et après ce single-là, il y a 12 titres qui viennent avec 6 clips.
Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes engagé déjà comme en qualité d'artiste. On peut connaître le style musical de Miliwen. Mon style musical, c'est du zoukou décalé. Le zoukou très décalé, sérieusement décalé. Alors, au-delà de ce qui s'est passé à la Ferrari et puis les petits bobos avec Ariel Chiré, le programme de Arafat et Arafat lui-même, et quelles sont tes collaborations avec les autres artistes? Moi, il n'y a aucune collaboration, aucun artiste. Parce que tous ces artistes-là m'ont vu en quoi? Ils n'ont pas vu le talent venir, ils m'ont vu en boucle. Donc, si au début, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas de collaboration avec quelqu'un. Peut-être ma petite collaboration amicale, c'est avec Jones, le leader. Et puis mes amis Révo, Révolution, c'est tout. Alors, marié ou célibataire? Célibataire. On envisage de marier un jour? Waouh. Je vais me marier un jour, c'est sûr. Alors, pour lancer un appel à l'endroit de vos fans et puis tous les mélomanes ivoiriens et qui voudraient également avoir l'exclusivité de cette chanson ou les chansons à venir, vous avez un mois leur adresser. Je voudrais dire simplement à tout le monde de ne plus s'abonner ou même de m'envoyer des invitations. Si mon ancien Facebook, ils connaissent Guillaume Delo Wilfred Mendu, venez directement sur ma page officielle Willy Well. C'est clair, c'est simple, voilà. Je voudrais sponsoriser, ça parle pas, ça cause pas, mais c'est vous qui attend. Mon site YouTube, c'est Willy Well encore officiel. Et il y a du loup qui vient. Tout début n'est pas facile, mais la Côte d'Ivoire, c'est l'âge. On est tous des Ivoiriens. Il y a des talents qui sont cachés. On doit montrer ça. Voilà. En tout cas, félicitations. Moi, j'aime bien la coloration musicale. On retrouve un peu ce style Zoulou et Coupé Décalé. C'est parmi toutes les tendances et tous les gens et tous ceux qui sont amateurs de bonne musique se retrouvent. Vraiment merci. Alors, un dernier mot à l'endroit de vos fans. Il n'y a pas de grand vivant. Dans le Coupé Décalé, tout est facile. Dans les chansons, ils chantent deux phrases, le reste là c'est le blocage, on appelle ça au casse-casse. Et puis c'est désordonné, de la manière c'est désordonné, c'est comme ça ils sont désorganisés. Les patrons, les maîtres et maîtres du coupé décalé, 15 ans de carrière n'ont même pas construit Sikoboa. C'est chaud. À tous les enfants d'Abobo, à tous les enfants d'Adjamela, Abrassien. C'est le Nekbe, Kamourassien, chanteur. Ça se suit, hein, on en sent.